C'est l'un des trésors de la montagne corse. Ces tourbières insulaires, que l'on appelle ici Pozzi, sont l'unique vestige de lacs glaciaires aujourd'hui disparus. Elles forment un écrin de verdure couronné de cirques granitiques et hébergent une flore et une faune riches en diversité. Les Pozzines de Bastelica attirent chaque année de nombreux visiteurs. Depuis la station de ski du Val d'Aise ou du col de Verde, les randonneurs sont nombreux à s'élancer sur les quelques kilomètres de sentiers pour aller fouler les pelouses. Le départ du parking, c'est quand même assez costaud. Il y a 300 mètres de dénivelé à peu près jusqu'au sommet. Mais là, maintenant, on est sur la partie beaucoup plus cool de la balade. Il fait frais, on a un sentier super, une vue magnifique. Et on attend maintenant de voir les Pozzi. Alors là, au fond de la vallée, on voit le village de Bastelica. Alors, je ne sais pas si je le prononce très bien. Et puis il me semble que tout au fond, on voit un morceau du lac de... Alors c'est Toda ou Tola, le lac, je ne sais plus exactement, mais c'est le barrage. On a prévu de redescendre par là pour aller peut-être tremper les pieds en descendant justement. Et puis on voit la mer au fond. Ça c'est mérité. Les Pozzines. Alors ? Continentales. Pozzi en Corse, merveilleux. Superbe. On connaît bien, ça fait plusieurs années qu'on vient avec ma femme et les enfants. On s'en lasse pas, la Corse est toujours aussi belle. Depuis quelques années, Dominique propose aux promeneurs de faire la boucle à dos de cheval, une expérience nouvelle dans le secteur qui a de quoi séduire. C'est une balade à la journée qui est très belle et très variée, et dont les gens sont assez friands, aussi bien à pied qu'à cheval. On ne demande pas un niveau équestre particulier, on demande juste aux personnes d'avoir... juste envie de le faire, d'être motivé. On part à 10h tous les matins, pause pique-nique au Pozzi. On profite du site parce qu'il est juste exceptionnel, donc baignade à la cascade, sieste, photos, etc. Et retour au chalet entre 17 et 18h. On est là aussi pour le côté sécuritaire. On peut alerter les secours, il n'y a que nous l'été sur le site en fait. Pratique de l'équitation western, les seuls western, qu'on est en toute sécurité. Les chevaux marchent bien, ils connaissent le terrain par cœur et les gens sont très heureux généralement. On évite de mélanger les groupes, comme ça il n'y a pas de conflit entre eux, de dire on s'est arrêté trop souvent, on a fait trop de photos, on a trop traîné. C'est carrément des sorties personnalisées. Les gens sont toujours émerveillés. Déjà, dès le départ, on est sur la ligne de crête, donc on découvre tout le bassin d'Ajaccio, le golfe d'Ajaccio. Quand le temps est bien dégagé, on arrive à voir les îles. Et puis après, arriver ici, c'est vrai que le spectacle est magnifique. Et voilà, il n'y a pas mieux pour l'instant. C'est superbe. Moi, je m'en lasse pas. Hein. L'immense plateau d'herbe grasse est découpé par des chenaux naturels et poissonneux qui donnent un peu de fraîcheur aux marcheurs. Un paysage unique qui laisse rarement sans voix. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Nous, on vient de Grenoble, on n'a jamais vu ça. Pourtant, il y a pas mal de montagnes et des alpages, mais on n'a jamais vu... Jamais vu ça, donc c'est une première, on découvre. C'est très paisible et c'est magnifique. On est parti du bord en fait, au niveau du chalet, et puis on a fait un peu les crêtes, on est remonté, et on fait la boucle en fait pour venir ici. C'est merveilleux, je conseille. Et là c'est le pique-nique, on se repose pour pouvoir repartir après tranquillement. Peut-être faire le lac, on verra. C'est pas trop dur de repartir après? Non, ça va. Mais on aimerait bien rester, ouais. Si le site perd un peu de sa splendeur à la fin de l'été, l'hiver, la neige transforme le paysage et permet la régénération des cours d'eau. Dans l'île, on retrouve ces formations végétales dans plusieurs secteurs. Elles jouent un rôle important dans la régulation du débit des cours d'eau durant les périodes de sécheresse estivale. Des troupeaux viennent également s'y abreuver, contribuant au retour, au maintien durable de ces tourbières.